Quels sont vos rapports personnels avec le sport Je crois savoir que vous avez joué au rugby et même que vous avez occupé le, le poste de troisième ligne. Alors, mes rapports, c'est des rapports euh, d'amour, d'affection. C'est que je pense que la plupart des petits garçons, pas tous, euh, rêvent de devenir champion. Donc, euh, moi, je rêvais forcément de devenir champion, je ne savais pas de quoi, et c'était une déclaration d'affection pour quelqu'un qui s'est occupé de moi après la guerre et qui jouait au rugby. Donc j'ai voulu jouer au rugby uniquement pour créer des occasions de parler avec lui de rugby. C'est la seule raison <laughs> C'est la raison qui me vient en, en tête. Nous hein. avons une image là d'ailleurs. Hein. Vous... Oui, oui, c'est très... Alors, c'est une image qui me touche beaucoup, ça, parce que j'ai un peu raté un concours médical qui fait que j'ai pas eu les choix que je voulais donc j'ai été nommé à Digne et euh, on voulait monter une équipe de rugby et on s'est dit mais comment il faut faire Et eh bien on a organisé un match, un tournoi de rugby à 7 avec les femmes, les pique-niques, les bébés autour du, du tournoi on a très très mal joué euh, mais on a tissé des liens d'amitié et c'est comme ça qu'on a démarré une équipe de rugby. Donc ce qui est important, c'est que nous allons parler du sport, et ce n'est pas pour vous simplement une matière abstraite, c'est aussi quelque chose que vous avez vécu de l'intérieur. Oh, c'est abstrait quand même, parce que vous savez bien que le rugby, c'est une, une heure et demie de match, trois heures de restaurant, et une semaine de vantardise. C'est-à-dire qu'il y a la partie dans le corps, ensuite il y a la partie... Euh, festive, rituel, et puis ensuite il y a la partie épopée qui est la plus importante. Alors vous êtes euh, non seulement une, une neuropsychiatre, mais vous êtes également un spécialiste d'éthologie. Est-ce que, est que ça a un sens euh, de définir l'homme comme un animal sportif hein, et de voir dans le sport une sorte de, de différence spécifique Parce que les animaux ne sont pas sportifs. Non, non, je pense que les animaux sont sportifs, il y a des rituels chez les animaux, sinon ils ne pourraient pas coexister. Il y a des rituels, on joue, et les animaux, les mammifères jouent beaucoup, même les oiseaux d'ailleurs, commencent à faire des épreuves inutiles, euh, non fonctionnelles. On peut se demander pourquoi euh, ils jouent à laisser tomber une feuille et plonger dessous pour la rattraper. Aucun bénéfice adaptatif. Euh, Peut-être on pense que c'est pour jouer, bien sûr. Le mot jeu est déjà difficile à définir entre êtres humains, alors pour un animal c'est encore plus difficile, mais ce n'est pas adapté à une réponse immédiate, c'est adapté à quelque chose qui n'est pas là. Et ces rituels permettent aux animaux de coexister, sinon ils n'auraient que des rapports d'attraction de, ou de violence. Alors qu on se, quand on est un animal, on ne se présente pas n'importe comment, on ne se courtise pas n'importe comment, on ne partage pas la nourriture n'importe comment. Il y a des codes comportementaux, ils ne sont pas verbaux, mais ils sont comportementaux. Ils veulent dire, ils signifient quelque chose qui permette aux animaux de danser, de se courtiser, de s'entraider et de s'entraîner. Et par exemple, les chatons sont des médailles d'or du, du jeu. Ils jouent énormément, mais la plupart des, des animaux jouent, et quand un animal joue plus, c'est que sa croissance est terminée. Donc il y a un effet d'entraînement qui n'est pas une réponse immédiate, qui n'est pas une réponse à quelque chose qui est dans le contexte, et qui permet d'apprendre à se développer et à coexister, à s'articuler avec les autres. Donc on peut penser que c'est une fonction euh, proto-sportive. Voilà, proto sportif cest C'est-à-dire que du jeu homo ludens et homo sportivus, ce n'est pas totalement la même chose. parce que Non, bien sûr, c'est forcément pas la même chose. Mais enfin, j'ai vu des mêlées de macaques qui me rappellent fortement France-Angleterre. Hein. Et il n'y a que des mâles dans ces mêlées de macaques. Ça, c'est un mystère. Voilà, là, les théories du genre, elles vont être en difficulté. Parce que, y a que... pourquoi est-ce que seuls les mâles jouent à un proto-rugby on voit des empilements et puis tout d'un coup, ils explosent. Vous avez 10-15 mâles qui explosent, qui se mettent... Et ils se, ils se font pas mal, du moins au début. Ils se font pas mal, parce que jouent de main, jouent de vilain. Il y a toujours un moment où il y en a un qui proteste. Mais au début, on a l'impression que ce n'est pas pour l'immédiat. Et pourquoi est-ce qu'il y a très peu de femelles Je ne sais pas. Euh, on va demander à Judith Butler de répondre à la question. Oui, non, ma question c'était de savoir, parce que est-ce qu'on peut parler à, vraiment en toute rigueur de règles qui réglerait justement ce, le jeu. Le sport commence lorsqu'il y a quand même des, des règles collectives, euh, éventuellement même avec un rapport entre d'un côté des joueurs et des autres des spectateurs, enfin, une fonction sociale du jeu. Alors, je, moi, j'emploierais le mot rituel pour éviter le mot règle. Donc, il y a des rituels d'interaction qui ne sont pas très historisés, mais qui permettent quand même l'interaction. Alors, est-ce qu'il y a des spectateurs euh, oui, je pense que, par exemple, les petits mammifères jouent toujours à proximité des parents, et quand ils sont trop loin des parents, ils cessent de jouer, donc c'est proche du biologique, c'est proche de l'émotion, mais bien sûr, ce n'est pas des, des règles au sens contrat, euh, au sens euh, euh, rencontre euh, avec des règlements comme pour le sport, mais c'est pas c'est bien déjà au-dessus du besoin biologique c'est plus c'est pas encore le sport humain mais c'est déjà plus la réponse à l'immédiat donc encore une différence spécifique que nous perdons donc la continuité de l'homme à l'animal finalement est de plus en plus marquée même même au plan de l'activité sportive qui pourrait nous apparaître comme étant une activité culturelle et donc proprement humaine et oui mais le, l'homme est le seul animal capable d'échapper à la condition animale. et ce qui nous permet d'échapper à la condition animale, c'est l'outil, c'est l'artifice, l'artifice de l'outil, et l'artifice du verbe, bien sûr. mais euh, on est quand même des animaux. Euh, même vous, vous avez été un mammifère marin pendant neuf mois. moi aussi, je me rappelle pas très bien, mais j'avais des branchies, et vous aussi. on a vu des branchies qui sont devenues nos oreilles internes. <laughs> mais donc, on a été des mammifères marins. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une couche de graisse très peu vous en périphérie. Euh, mais comme les animaux marins, comme les phoques, qui ont besoin de résister au froid, donc ça veut dire qu'on on, on est des animaux, mais on est les seuls animaux capables d'échapper à la condition animale. Et aujourd'hui, l'outil de, de la technologie et l'outil du verbe se sont tellement développés que effectivement la part animale est en train de se restreindre ou même de se modifier, parce que nous, on est, on est les seuls êtres vivants capables de modifier l'environnement qui nous modifie. C'est-à-dire que là, probablement, on est en train de modifier même notre propre génétique, uniquement en modifiant l'environnement. L'expression des gènes n'est déjà plus la même parce qu'on a modifié notre environnement avec nos outils et nos verbes. Alors ça, les animaux ne font pas encore des performances terribles dans ce domaine, quoique les grands singes. Vous savez qu'il y a des chiens qui sont capables de répondre à 450 mots différents. Euh, vous avez des grands singes qui sont alphabétisés avec des gestes, des cris, des postures signifiantes. Ce n'est pas des signes, il n'y a pas l'arbitraire la, du signe qui nous permet de parler, mais ce n'est pas n'importe quoi, c'est déjà un langage préverbal. Euh, les cris, les postures, les couleurs, les offrandes, ça signifie un ensemble de codes comportementaux, de cris, d'odeurs aussi. C'est bien au-dessus déjà de stimulus-réponse. Mais ce n'est pas l'arbitraire du signe qui nous permet de raconter nos belles histoires. Dans une perspective darwinienne, quel avantage le sport peut-il représenter pour l'espèce humaine Essayons de nous restreindre à l'espèce humaine, ou tout au moins à envisager l'espèce humaine en continuité avec le monde animal dont elle procède. Alors, si on raisonne en termes ontogénétiques, c'est-à-dire en termes de développement de, de notre corps et de notre esprit, développement de soi, je pense que euh, au cours des jeux, les animaux apprennent leur futur métier, c'est-à-dire que et leur future place sociale, c'est-à-dire que les petits mâles apprennent chez les canards, par exemple, à pincer le cou des femelles et les femelles adorent ça chez les canards aussi, c'est-à-dire que euh, S'ils ne jouent pas, ils ne, ne savent pas pincer le cou des femelles et ils n'arriveront pas à s'accoupler. Donc au point de vue darwinien, ils n'auront pas d'avantage reproductif. Leur lignée va s'arrêter. Donc le jeu, hein, chez les canards, chez les mammifères, a ce phénomène adaptatif. Chez les mammifères, on voit que les jeux jouent aussi un rôle de préparation à la sexualité, puisque quand on empêche un singe, un chien, de jouer ou quand un accident de sa vie euh, l'isole, il n'apprend pas à jouer, il ne sait pas s'accoupler. Ou il confond accouplement et bagarre, il n'a pas appris à ritualiser ces interactions qui lui permettront de courtiser une femelle ou à une femelle de solliciter un mâle. Donc toutes ces interactions de, mises en place à l'occasion des jeux prépubères, ben, le jour où arrivera la puberté, il ne saura pas le faire. Pour les mâles et les femelles aussi, il y a une situation, à l'occasion des jeux, ils acquièrent, ils préparent la place qu'ils auront dans leur société. Société au sens animal du terme, assez hein, peu. Donc société, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, il y a une priorité des décisions, il y a une priorité de la, répar de la répartition spatiale. Donc c'est social au sens animal du terme. Donc en, au point de vue darwinien, ces proto-jeux animaux ont une fonction adaptative et évolutive. Mais et, et pour l'homme, cet, cet animal qui sort de la condition animale, en termes darwiniens, quel, quel avantage adaptatif présente selon vous euh, le pas le jeu, le sport, hein donnons vraiment le au jeu une définition très particulière. Alors j'imagine qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs ou à l'époque des sociétés euh, avec des, des outils, des peu d'outils, euh, j'imagine que le sport avait une fonction aussi de préparation euh, au couple, euh, à la parenté, euh, à la chasse, et que les enfants devaient repérer la place qu'ils allaient prendre, parce que chez les chasseurs-cueilleurs, tout le monde n'était pas chasseur. Ça dépendait beaucoup de la technique de chasse. Euh, si la technique de chasse était, comme je l'ai vu, euh, d'attirer des animaux même énormes dans un piège, tout le monde participait, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde participait à la chasse. Puisqu'il fallait attirer un animal, puis passer sur une petite passerelle en s'enfuyant pour que l'animal, lui, tombe dans le trou où les chasseurs avaient mis des pieux. Donc là, tout le monde participait. Donc le bénéfice adaptatif du proto-sport, c'était de savoir ce qu'on pouvait faire. Mais il y a des sociétés où la chasse est beaucoup plus technique. Et là, par exemple, chez les Inuits, il faut blesser l'animal et le suivre au sang pendant plusieurs jours et dormir dans la neige et repartir la chasse au sang. Donc à ce moment-là, il vaut mieux être gros et gras pour pouvoir résister au froid pendant 2, 3, 4 jours le temps que l'animal meurt. Et on voit que là, il y a une sélection qui se fait et que les maigres n'ont aucun bénéfice adaptatif. C'est-à-dire qu'être maigre dans une société... De chasseur au sang, c'est pas un bénéfice adaptatif. En revanche, être maigre. Dans une société où c'est l'anglais et l'ordinateur qui font la hiérarchie sociale, là, il peut y avoir un bénéfice. Donc, je pense que, à cette époque-là, quand on, on était des animaux qui progressivement apprenions à, se, à échapper à la condition animale, il y avait encore ce bénéfice adaptatif. Mais aujourd'hui, je pense que le bénéfice, c'est le, le plaisir de soi, c'est un plaisir de narcissisme qui n'est pas négligeable. On, 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 nos sociétés deviennent narcissiques. Et puis, euh, c'est un bénéfice social aussi. Certains tentent l'aventure sociale du sport. Et puis, je crois qu'on on, on sait maintenant que c'est un bénéfice aussi euh, pour nous être humains. Euh, c'est un facteur de résilience, c'est-à-dire que si on a été blessé dans un, dans un domaine de la vie, on peut très bien compenser ou se revaloriser dans un autre domaine de la vie. Là, il y a une photo qui est intéressante, euh, celle d'un d'un singe, je parle de narcisse, vous avez la confrontation avec l'eau, le, avec et puis ce geste quand même, qui est, qui, qui est un, un geste à la fois très élégant, la distinction avec, avec l'humain ici est extrêmement fragile. Alors, y a, moi je pense qu'il n'y a pas de coupure, il y a une construction progressive, mais il n'y a pas de coupure entre l'homme et l'animal. Notre cerveau, à la base de notre cerveau est exactement la même chez tous les mammifères. Et on partage même le, le, le cerveau ancien, on le partage même avec les oiseaux. Donc je pense qu'il n'y a pas de coupure, il y a construction, progrès, un échafaudage qui arrive jusqu'au moment où on arrive à l'artifice de l'outil, même si les animaux savent fabriquer des outils, mais ils ne savent pas encore les commercialiser. Mais ils savent les fabriquer, et, et surtout l'artifice du verbe. Alors même si les animaux font des performances bien supérieures à ce qu'on croyait, ils ne... Il ne lisent pas encore Proust ou Lacan. Quoique, mon chien adore Lacan. Chaque fois que je lis Lacan, il couche les oreilles et il remue la queue. Il adore que je lui lise Lacan. C'est pas... un signe de soumission ou c'est un signe d'éveil Non, non c'est le seul qui arrive à comprendre. Ah, très bien. Vous êtes à la fois neuropsychiatre et éthologiste, ou éthologue, je ne sais pas quel est le terme convenu. Cette double spécialité, cette double approche concernant l'objet de notre réflexion, de notre conversation, à savoir l'activité sportive, qu'est-ce que ça apporte de particulier Ce double éclairage cette... Eh bien, ce que vous venez de dire, c'est le point de départ des théories de l'attachement qui sont actuellement les théories les plus citées en psychologie. C'est-à-dire que l'éthologie animale a été le point de départ d'observation, alors on dit naturelle, c'est-à-dire euh, définir la nature de l'homme, c'est pas évident. Déjà on a des problèmes avec les animaux, alors avec l'homme c'est pas plus facile. Euh, donc on s'en sort en, par une pirouette en disant que la nature de l'homme, c'est là où on vit dans notre culture. Voilà, on s'en sort comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous permet, cette pirouette nous permet de dire qu'on euh, a des observations sp naturelles spontanées chez les animaux, chez. Les êtres humains, ce n'est pas nous qui les faisons, c'est les accidents de la vie. On fait une sémiologie, c'est-à-dire une science des signes, et on cherche à comprendre comment cet accident chez l'animal altère le développement de l'animal. Ce qui nous permet de suivre, par exemple, un accident chez un singe, quand un singe devient... Alors nous, dans notre langage humain, on dit orphelin. Mais pour lui, orphelin, ça ne veut rien dire. Sauf que ça veut dire sur le plan biologique, ça veut dire que quand il perd sa mère, parce que le père, on ne sait pas qui c'est, et quand il perd sa mère, son monde sensoriel se vide et il meurt. C'est-à-dire qu'on a un accident de sa vie qui fait une préparation quasi-expérimentale que nous, on ne fait, peut pas faire, ni en laboratoire, ni peut-être aussi pour des raisons éthiques. On ne le fait pas. La, la vie le fait. La vie est bien plus cruelle que le plus cruel des laboratoires. On observe cet animal et on voit que la plupart de ces petits singes meurent sauf quelques-uns qui déjà ont le talent de solliciter l'attachement de l'autre, et si l'autre, femelle souvent, mâle parfois, répond, on voit le singe reprendre un autre développement. Donc on a une, une, on a une sorte de quasi-expérimentation qui permet non pas d'extrapoler, bien sûr, mais de poser la même question chez les êtres humains. Hypothèse, est-ce que chez les êtres humains, un bébé qui perd sa mère, Comment il réagit Eh bien, il y a deux grands noms de la psychanalyse, Spitz et Anna Freud, qui en 1946-47 ont servi des hypothèses d'éthologie animale pour observer comment un enfant abandonné et en isolement sensoriel évoluait exactement de la même manière. Et les neurosciences aujourd'hui rendent observables et mesurables toutes les altérations biologiques. Et les malformations du cerveau provoquées par la privation sensorielle. Donc, les animaux ont beaucoup de choses à nous enseigner. Le sport jouerait un rôle important dans le, dans le développement cérébral et dans les apprentissages. Et ça, c'est mettre en rapport l'activité musculaire et, et les apprentissages, au fond, cérébraux et les disponibilités cérébrales. Euh, ça vaut aussi pour l'instrumentiste, hein. je crois que vous, vous en faites la remarque. Est-ce que vous pourriez préciser cela ce, ce... Oui, oui, mais c'est plus qu'apprentissage, c'est sculpture cérébrale. C'est-à-dire euh, un enfant qui fait du sport, et même une personne adulte, c'est moins plastique chez les personnes adultes, même si ça reste encore plastique. En revanche, un enfant qui fait du sport sculpte son cerveau. C'est-à-dire que si euh, on voit, par exemple, que s'il fait de la course à pied, eh bien, il va sculpter les zones corticales qui correspondent, qui commandent aux neurones et aux muscles de ses jambes. Si il fait du lancer de poids, on va voir que la partie de l'autre hémisphère qui correspond aux bras et à la main va s'hyperdévelopper. développer. <laughs> Donc, on voit comment l'activité physique, contrairement à ce qu'on disait ou préjugé, on disait s'ils on ont de gros muscles. Ils ont un petit cerveau, c'est exactement le contraire. Quand on entraîne son corps, on stimule son cerveau, ensuite, une fois que le cerveau sera sculpté, il faudra en faire quelque chose de relationnel. Mais au moins, l'outil est préparé. Ça se, ça se renverse presque. C'est-à-dire que euh, quand on connaît les mécanismes de, de l'apprentissage euh, psychomoteur, comme le montre par exemple Piaget, euh, c'est une occasion aussi de montrer l'importance que cela peut avoir dans, dans une éducation physique bien, bien comprise, bien pensée. Tout à fait. D'ailleurs, Piaget disait de l'acte à la pensée. C'est-à-dire qu'il faisait il disait qu'on commence à penser avec l'acte. Et pour répondre à votre question sur l'éthologie animale, on sait maintenant qu'un enfant commence à penser avec ses mains. C'est-à-dire que euh, c'est une démonstration à la fois de piagé et d'éthologie, inspirée par les méthodes d'éthologie animale. Un enfant qui a 11, 12, 13 mois pointe du doigt, parlera. C'est-à-dire qu'on a fait l'observation autogénétique, c'est-à-dire un développemental dans un contexte, et on constate que vers 11 à 13 mois, les enfants ont un curieux comportement. Ils pointent du doigt en direction de l'objet convoité, regardent dans une autre direction de l'espace et déjà pas en direction de l'objet, et ils tentent d'articuler un babil qui, qui oriente la figure d'attachement sur l'objet convoité que l'enfant est trop petit pour attraper. Donc ça veut dire que l'enfant est capable de se décentrer de ce qu'il perçoit pour le convoiter, de désigner, de faire un geste qui désigne l'objet convoité, et de tenter d'agir avec un, un babil sur le, le monde intime de la figure d'attachement. Un enfant qui a 11 mois fait ça, commencera à parler à 20 mois, et à 30 mois, saura parler. Donc, voilà ici une observation comportementale qui permet de rendre observable un enfant qui ne fait pas ce scénario à 14 mois est un enfant qui prépare mal euh, la, la parole. Donc c'est grave et maintenant c'est un signe clinique que dans le monde entier, les pédiatres, les psychiatres, les infirmières, les psychologues doivent apprendre pour dépister de plus en plus tôt l'autisme. Et maintenant l'autisme est dépisté très tôt. Quand je faisais des études, l'autisme était dépisté à peu près vers 3 ans et demi. Maintenant on dépiste un autisme vers 12-18 mois. Et ça, c'est un des meilleurs signes de dépistage de l'autisme. Il y a même des signes plus précoces. Alors, si on, on tient compte de ce, de ce que vous dites, de ce fait, à savoir que euh, certaines capacités intellectuelles euh, sont euh, développées ou peuvent être favorisées par l'activité sportive, il y a d'autres, bien évidemment, d'autres activités qui participent à développer les activités intellectuelles. Ce ne serait pas très, très honnête et un peu réducteur d'imaginer que c'est au sport d'avoir la fonction principale. Est-ce que est cela doit nous conduire aussi à une réflexion sur le, sur le dualisme Au fond, le dualisme âme-corps, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est métaphysiquement encombrant ah, Pour nous, euh, on dit que Descartes nous a joué un vilain, un vilain tour en séparant l'âme et le corps, c'est-à-dire en faisant du corps quelque chose qui était une peu, pesable, qui était mesurable et palpable, et de l'âme une substance immatérielle. Euh, non déterminé, euh, et qui pourtant était amarré à la bite de l'épiphyse, dit-il. Je ne sais pas comment on fait pour amarrer quelque chose qui... Qui n'a pas de matière, comment on fait pour l'amarrer La bite de l'épiphyse, c'est-à-dire c'est une petite glande. La glande pinéale. La glande pinéale. C'est Descartes, oui. Moi, je préfère dire bite de l'épiphyse. <laughs> <laughs> qui. <rire> bite avec deux T. Oui, hein, bien, est... bien sûr. <laughs> euh, Qui était au... entre les deux hémisphères cérébraux et qui a une fonction neuro-endocrinienne. Et Descartes disait que l'âme s'amarrait là. Bon, je ne sais pas comment il a fait. Euh, Jusqu'à maintenant, descartes a rendu service à la médecine expérimentale et il n'a pas rendu service aux animaux parce que, en développant la médecine expérimentale, il a presque éthiquement encouragé l'expérimentation chez les animaux. et le sacrifice des animaux nous a parfois rendu service, même si je trouve qu'actuellement il devient inutile, abusif, parfois nécessaire, souvent abusif. mais euh, il n'a pas rendu servi service aux sciences de la psychologie, en disant que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas observer, qui n'était pas palpable, qui n'était pas mesurable. Alors que nous, maintenant, avec les neurosciences, euh, on se rend compte que quand vous parlez, si vous élaborez, c'est une partie antérieure de votre air singulaire antérieur qui se met à consommer d'énergie. Ce n'est pas le lobe temporal où se, se convergent plutôt les efforts de parole. C'est-à-dire que le fait d'élaborer est lié à l'émotion, c'est-à-dire au corps. Si vous dites, j'imagine ce que je vais faire dimanche prochain, j'imagine ce que je vais dire, mais je ne le dis pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire C'est lié à l'émotion. Ah, mais je vais lui expliquer, je vais trouver les Alors là, il y a le travail de la parole, de l'acte, de l'acte de parole. C'est un acte. Je bouge la langue, je, constate, je contracte mon diaphragme. Donc là, c'est comment, comment on fait pour rester cartésien. C'est-à-dire que je pense que le fait de parler, de faire un effort, modifier le cerveau, et une fois que l'outil relationnel est construit par l'acte, à ce moment-là, je me sers plus ou moins bien de cet outil, et là peut-être que Descartes peut nous aider, mais une fois que l'outil est construit. Si on se place d'un point de vue à la fois idéologique, social, le sport c'est aussi une activité qui est instrumentalisée, euh, instrumentalisée idéologiquement. On euh, aux nazis, euh, il y a une image ici que nous voyons, euh, euh, mais non seulement idéologiquement, mais aussi commercialement. Que, que vous inspire cette, le fait que cette activité, euh, dans sa dimension spectaculaire, euh, serve aussi des, bon, des dessins euh, et tout au moins des finalités qui sont des finalités assez effrayantes. Oui, mais euh, sur cette image, on voit que cette image, en fait, est un discours politique. C'est-à-dire que on voit euh, un coureur, il serait blond, que ça ne m'étonnerait pas, il est mince, euh, on voit l'ordre. L'image est sémantisée. Elle est en train de raconter un discours politique, l'ordre règne, les hommes sont rangés. Et un surhomme arrive, il est beau, il est, il va, je pense qu'il va grimper des marches, je pense qu'il va grimper vers le ciel, et que là, il va allumer une flamme, et que tout le monde va être ébloui. Ce que vous m'invitez à dire me fait penser à un auteur. Euh, il arrive, euh, il monte les marches, les, les faisceaux des, des, de la lumière. L'éclair, les tambours roulent, les, les drapeaux claquent. Je pleure. Brasilac. C'est-à-dire que cette image-là est un discours politique. C'est une image schématisée. D'autres images pourrait décrire un autre ordre, le petit père des peuples, où tout le monde envoyait des bisous au petit père des peuples, ou le roi, ou, ou dans d'autres cultures, où il ne faut pas regarder le roi, il faut se prosterner devant lui. Donc tous ces comportements sont des mises en scène proto-verbales, c'est des discours politiques. Alors pour ce qui est du sport, je pense que le sport, il est comme tous nos outils, il est forcément récupéré idéologiquement, euh, c'est-à-dire que c'est vrai. Pour ce que euh, le capitalisme, nous euh, en avons un exemple. Voilà, <laughs> voilà. C'est vrai pour le capitalisme. De la mise en scène des hamburgers. <laughs> <laughs> voilà. C'est vrai pour le petit père des peuples, où beaucoup de sportifs devaient gagner des médailles pour prouver la supériorité euh, de l'organisation sociale euh, du euh, marxisme, du léninisme. C'est vrai pour. D'autres, le, le fascisme qui devait prouver la supériorité sociale des blonds dolichocéphales minces, d'où le scandale moral de Jesse Owens, qui, va, qui est rentré dans le mythe parce que il était beau, il était intelligent, il était nègre et il avait gagné. Et donc, au point de vue moral, c'est une, une belle fable. Et à Berlin. Et à Berlin. Et à Berlin. Et à Berlin. Donc c'était vraiment une, une belle fable. Donc, euh, mais c'est vrai pour tout. Dès l'instant où on est des êtres humains, les animaux ne sont déjà plus soumis à la perception. C'est-à-dire que déjà, ils perçoivent, ils traitent, ils agencent pour en faire une représentation. c'est pas une représentation verbale, mais c'est une représentation d'odeur, d'image, ils apprennent. Ils se développent dans des tas de directions différentes, ils sont déjà plus soumis à la perception. Alors, nous, animal humain, avec l'arbitraire la, du signe qui nous permet d'inventer, d'écrire des, des tas de romans, vous vous rendez compte qu'avec quelques lettres de l'alphabet, avec quelques signes, on peut écrire des, des tas de romans différents Eh bien, nous, êtres humains, on fait signe avec tout on fait signe avec nos vêtements, avec nos décorations, avec nos poils. Il euh, y a les, les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite, c'est-à-dire qu'on sémantise tout. Alors pourquoi on ne sémantiserait pas Pourquoi on ne ferait pas signe aussi avec les, les événements sportifs On le fait. Les sportifs, les, les champions sportifs, ce sont de nouveaux héros, des modèles euh, identificatoires. Alors c'est à la fois positif parce que nous ne sommes pas. Euh, tout au moins apparemment, dans la violence et dans le sanguinaire, quoique, euh, une image ici est une image qui nous rappelle une, une actualité assez euh, singulière, euh, mais également, ce sont des, des héros assez déréalisés, c'est-à-dire que d'un côté, ils peuvent être positifs et s'opposer à la violence, mais d'un autre côté, ils perdent d'une certaine manière en, en réalité pour devenir des, des éléments d'un spectacle. Alors, oui, bien sûr, si, ils, ils mettent... Euh... On est complice parce que s'ils si, euh, font un beau spectacle sportif, c'est pour nous plaire. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'entente capitaliste. Ils gagnent de l'argent parce qu'ils nous plaisent. On paye notre place pour qu'ils pour qu nous plaisent. Et je pense que le héros est lié à, à la violence. C'est-à-dire que euh, dès l'instant où un groupe humain, un quartier, un village, a besoin d'un héros, ce héros qui le représente a pour fonction de le revaloriser. Vous avez vu, vous avez vu les blonds comme ils courent vite, hein, alors que les noirs ils courent pas vite, hein, euh, ou le contraire. Vous avez vu comme il est courageux, hein, il, il appartient à ma religion, à ma race, il, il est courageux comme nous on est courageux. Donc le, le héros finalement nous représente et il doit prendre des risques et il doit risquer sa vie, quel Il doit mettre en jeu sa vie, il doit mettre en péril sa vie. Pour, me, pour nous réparer donc je pense que l'héroïsme est lié à la violence ou plutôt j'aurais dû dire l'héroïsme est lié au sacrifice c'est-à-dire que s'il meurt je l'aimerai encore plus quand il sera mort parce que je, les seuls êtres viv... les seuls êtres humains parfaits sont les êtres v... morts quand on est vivant, on est forcément imparfait. Alors ce, le héros, je vais le diviniser, je vais raconter à quel point il était beau, généreux, etc. Il a intérêt à être mort, parce que si il est vivant, un jour ou l'autre, il va me démentir. Donc je pense que l'héroïsme est lié au social, à la réparation narcissique, comme on dit dans nos théories, et à la violence. Donc ça, c'est un peu, on pourrait dire, la, la fonction psychosociale du, du héros. Voilà. Euh, euh, cette fonction, elle peut aussi. Euh, il y a une image ici qui est, qui est parlante euh, c'est un, un match de hockey euh, entre les Tchèques et les, et les Russes, euh, après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les, par les Soviétiques en, en 68. Donc ça veut dire que là aussi, il peut y avoir, à travers le sport, euh, des règlements de compte symboliques, euh, donc des identifications complexes. Hein. Absolument, je me rappelle bien ce match, je crois même que les Tchèques avaient gagné, avaient battu la Russie et que ça avait été une explosion de joie à Prague ou en Tchécoslovaquie, puisque à cette époque-là c'était à Tchécoslovaquie. C'était une explosion de joie parce que nous, les animaux commencent à symboliser. Donc vous pensez bien que nous, on symbolise encore plus, on symbolise même jusqu'au délire parfois on arrive à, à symboliser et à se, à se soumettre à quelque chose qui n'existe que dans la représentation complètement coupée du réel. On arrive à faire ça, nous. Les animaux peuvent se troubler un développement, mais je ne sais pas s'ils peuvent délirer. Troubler, développer un comportement troublé, sûrement, à coup sûr. Délirer, je crois que c'est nous les plus doués pour le délire. Alors, je pense que là, on a un exemple de, de revanche symbolique. Alors, sur le terrain, bien sûr, ce n'était pas symbolique, il fallait que jouer, se servir de ses muscles et de sa technique. Mais ça signifiait, la victoire des Tchèques signifiait, on, on a pris notre revanche sur l'armée russe. C'est une revanche symbolique, parce que dans le réel, euh, les Tchèques avaient quand même été massacrés et asservis. Mais symboliquement, c'était important, ils avaient pris une revanche. Mais ça vaut au plan individuel aussi, donc, tout cela Oui pas simplement, ça ne vaut pas simplement au plan collectif, au communautaire. Oui, sauf que sur le plan euh, collectif, euh, on, est, on, a des, on a beaucoup plus, on a des récits. Sur le plan individuel, on a le corps à corps. J'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de voir comme vos mimiques faciales, comment vous êtes habillé, comment vous hochez la tête quand vous parlez. Donc, même quand on parle. Quand on bavarde, il y a un corps à corps. Alors que quand on fait un récit collectif, on délire très facilement, on peut facilement délirer, parce que le récit collectif peut être complètement coupé de la réalité. Donc euh, je pense que dans le récit, le récit collectif, et on, se soumet, on se soumet à une représentation qui ne désigne plus rien du réel. Le fait que le sport euh, est un élément de socialisation, ce n'est pas contestable, et ça, on, peut, on peut en dire un mot. Mais en même temps, euh, le sport, ce sont des échecs, tout le monde ne gagne pas. Euh, par conséquent, c'est aussi un apprentissage de, de perdre et pas simplement de gagner. Alors, je, euh, on ne peut savoir qui on est que si on a des événements, on crée ou on assiste à des événements. Même le traumatisme nous identifie. Je suis celui qui a eu telle tragédie dans sa vie. Je suis celui qui a surmonté la tragédie ou n'a pas surmonté la tragédie, mais je ne peux savoir qui je suis que s'il y a des épreuves. Et s'il n'y a pas d'épreuves, eh ben je ne sais pas qui je suis. C'est-à-dire que d'où le, le goût qu'on a, soit de se mettre à l'épreuve, soit d'assister à des épreuves pour en faire des mythes. Et donc le sport a cette fonction de tragédie sociale comme le théâtre grec. Le théâtre grec mettait en scène les problèmes de la cité. Et les citoyens devaient y assister. Je crois même qu'ils n'avaient pas le droit de sortir du théâtre euh, sans avoir parlé de la pièce. C'est-à-dire qu'ils devaient rester pour commenter entre eux, fonction démo démocratique, ils devaient commenter entre eux les problèmes de la cité que les comédiens avait représenté au sens théâtral du terme. Je crois qu'on peut dire ça du sport. Il y a le vainqueur, il y a le vaincu, il y a le petit qui réalise un exploit en écrasant le vainqueur. Il y a toute la, une, une scénographie de la condition humaine. On y assiste et ensuite on commente, on parle. Tu as, as vu Jesse Owens, hein, à Berlin, un noir... Qui, qui est beau, qui est sympathique. Okay, voilà, on commente le théâtre grec. Et je pense que les sportifs ont cette fonction de théâtre grec. Il faudrait ajouter à ça tout de même le fait qu'il euh, y a les corps meurtris, il y a euh, l'après, c'est-à-dire euh, que deviennent ces sportifs de haut niveau. Euh, euh, je ne sais pas, il y a l'exemple, prenons l'exemple de la boxe par exemple. Vous avez là une image de boxe, on voit... Un une face quasiment écrasée par un, par un gant, par un poing. Euh, Est-ce que c'est un sport qui vous, qui vous scandalise, par exemple, le fait que des hommes à la fois se battent de manière violente, et surtout quand on connaît les effets que cela a dans le temps, enfin les, les, les dégâts du cerveau, par exemple, ou les pathologies liées à cela Alors, il y a le plan neurolo médical, neurologique, et il y a le plan social, l'histoire sociale de la boxe. Euh, l'histoire sociale de la boxe à l'origine, ce n'étaient pas des gens du peuple, à l'origine, c'était les aristocrates qui devaient montrer, parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, les êtres humains se hiérarchisent, et on a beaucoup de mal à militer pour la démocratie, parce que là, si on laisse faire la nature, un mot que j'emploie entre parenthèses, entre guillemets, si on laisse faire, si on se laisse aller, à nos pulsions, on va très vite retrouver des processus archaïques de, de socialisation, la loi du plus fort. Donc euh, les, a, les aristocrates étaient les plus forts parce que c'était les seuls qui savaient se battre. Ils ont pris leurs titres, ils ont pris les terres par la bagarre. Et ensuite ils ont imposé, raquetté le peuple en lui demandant des impôts de façon à pouvoir payer une armée et une police qui permettaient de les raqueter encore plus. Donc il y a euh, une histoire de raquettes qui fait qu'ils sont devenus forts, ils ont fait la beauté de notre culture et de beaucoup d'autres cultures en construisant des châteaux, en sponsorisant des musiciens, on ne disait pas sponsor. <laughs> Peut, voilà, ça, ça voulait dire la même chose. Euh, le, le mécénat, ça voulait dire la même chose. Mais grâce à eux, on a des châteaux magnifiques, on a des musiciens magnifiques, on a des œuvres d'art magnifiques. Donc euh, la, les aristocrates ont embelli notre, toute notre culture et beaucoup de culture par la violence, en imposant leurs lois. Et je pense que si on se laisse aller à nos pulsions, c'est comme ça qu'on va établir des relations. Donc les que les aristocrates aient été les premiers à faire des sports de combat, c'était la règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps encore, les gosses de riches, les gosses d'aristocrates apprenaient à se battre en duel et apprenaient la boxe française. Et c'était un signe de bonne éducation, parce qu'il n'y a pas longtemps encore, il y a une ou deux générations, on pensait qu'un homme ne traverserait pas la vie sans avoir à connaître deux guerres et quatre ou cinq bagarres de rue. Donc un homme, un vrai, devait savoir se battre. Donc ça m'étonne pas du tout que les aristocrates aient été les premiers à faire de la boxe. Et puis très rapidement, ils ont trouvé certainement que c'était plus avantageux de mettre, d'utiliser des pauvres gars qui eux acceptaient de se matraquer pour gagner un peu de monnaie. Comme je l'ai vu quand j'étais à Paris au lycée, il y avait des baraques foraines avec qui vous voulez-vous lutter. Et alors il y avait des gros, des petits, des mères qui se mettaient. Et puis. On lançait le gant, quelqu'un levait la main, on lançait le gars, gant, et la plupart du temps, il ramassait une, une fessée, mais de temps en temps, il gagnait et il repartait avec l'équivalent d'un billet de, de 20 euros ou 10 euros. Donc ça, c'est les rapports humains archaïques. Ça, c'est sur le plan social. Sur le plan neurologique, il est certain que ce gars, surtout s'il si est chaos, c'est que son cerveau a cogné contre la boîte crânienne. Donc ça fait un bleu. Et quand le bleu se résorbe, ça fait un trou. Donc euh, on rit, on a assisté à un beau spectacle, on commente, on a assisté à une scène du théâtre grec, mais le gars, il a un trou dans son cerveau. Et il y a beaucoup de Parkinsoniens d'ailleurs après la boxe. Alors, il y a beaucoup d'autres sports qu'on euh, qu paye cher. La sténose du canal cervical a été découverte grâce au pilier du rugby. Mon, mon maître et ami Aboulker... Le lundi matin, à la Pitié Salpêtrière, on voyait arriver des piliers de rugby qui avaient une paraparésie, c'est-à-dire un début de paraplégie, qui, qui disparaissait en 3-4 jours. Ils revenaient le lundi d'après. Et à on se, dit, et la boule se disait, mais c'est quand même pas normal que ces gars soient paralysés que le lundi et pas les autres jours de la semaine. Et en fait, les coups d'entrée en mêlée faisaient gonfler la moelle épinière. Et s'ils avaient un can petit canal médulaire, ça faisait une compression. Et quand l'œdème se résorbait, la compression n'existait plus, les gars se remettaient à s'entraîner. Donc c'est comme ça qu'il a fait cette belle découverte qui est utile à beaucoup de gens, même non rugbyman. Mais il y a des rugbyman qui l'ont payé très cher. Mais on va prendre le même raisonnement pour les grandes écoles. Ah <laughs> Les gosses qui préparent les grandes écoles, en effet, ils travaillent 18 heures par jour. Ils stressent, ils sont fiers, ils sont heureux. Ils font des performances, comme les sportifs. Eux, c'est des performances intellectuelles. Il n'y a pas de doute. La performance, ils l'ont faite. Beaucoup le payent très cher sur le plan humain parce qu'ils se sont coupés des autres, ils, se sont, ils ont habité un monde de représentation et le jour où ils arrivent à un poste de responsabilité qu'ils n'ont pas volé, ils ne savent pas dire bonjour, ils ne savent pas établir des relations humaines, ils n'ont pas appris les fêtes au village, ils n'ont pas appris les rituels d'interaction quotidienne, ils n'ont pas appris la bêtise de faire un, match, un combat de boxe. Parce qu'il faut le faire quand même, il hein. ne faut pas non plus se matraquer trop fort, mais il faut le faire. Donc je pense qu'on on demande à nos jeunes intellectuels de faire une performance coûteuse. Beaucoup des primes, après, même après une réussite, euh, après un concours, il y a un nombre très élevé de dépression après la réussite. Exactement comme pour les sportifs de haut niveau, il y a une plongée en dépression. Après les médailles, après la réussite. On n'est ne, pas impuni devant une intensité émotionnelle comme ça. Parfois, on paye cher ses succès. Il y a donc les sportifs de haut niveau dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, ceux qui occupent le devant de la scène. Mais je sais que vous aimez aussi. Euh, que l'on parle peut-être plus, plus longuement des sportifs de, de petit niveau, ceux qui ne cherchent pas à être champions, qui ne cherchent pas la performance, mais, mais à s'exprimer, et souvent une expression de soi qu'on cherche à partager avec d'autres. Alors je pense que c'est une fonction très différente de celle des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire que dans le sport de petit niveau, on a une relation qui est plus intime et plus intense que dans le sport de haut niveau. Dans le sport de haut niveau, on a un spectacle souvent stupéfiant, admirable, comme les virtuoses de violon, mais euh, on ne peut pas faire ça, ou alors il faudrait se consacrer entièrement, et même je ne suis pas sûr. Alors que dans le sport de bas niveau, euh, j'aime bien provoquer un peu en disant sport de bas niveau, on a une relation qui est intense. On est obligé de se parler on est obligé de s'inviter à déjeuner ou à dîner ensuite. Quand je joue au rugby, on allait au restaurant avec les adversaires. Après, les jeunes sont tellement incroyablement forts que aujourd'hui, ils font une hygiène alimentaire que nous, on ne faisait pas. Donc, tout cet aspect relationnel est presque supprimé par le sport de haut niveau, alors que le sport de bas niveau implique le rendez-vous, la parole, le restaurant, l'amitié, le conflit, la vie. Donc, c'est un rituel d'interaction qui participe à la culture, alors que le sport de haut niveau participe à un spectacle, souvent impressionnant, mais c'est un spectacle. Et puis, on a tendance surtout à oublier que l'essentiel des, des sportifs en France, en nombre, ce sont les sportifs de petit ou de bas niveau, alors qu'on parle quand même essentiellement dans les médias des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau. Alors. Les sportifs de très haut niveau ont un tel effet spectacle qu'ils induisent souvent une industrie et que les consommateurs de cette industrie sont les sportifs de petit niveau qui achètent les mêmes chaussures que... Parce qu'ils vont gagner, bien sûr, s'ils ont les chaussures ou s'ils ont les chaussettes euh, Radidas, <laughs> ils vont sûrement gagner et courir plus vite. Donc je pense qu'il y a tout un enchaînement commercial qui est organisé autour. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le sport de petit niveau, euh, c'est le plaisir, l'hygiène, hygiène physique, stimulation cérébrale, stimulation amicale, aspirituels sociaux. Il y a des tas de villes qui font des, des matchs de très mauvais niveau. Les, les sportifs sont mauvais, euh, ils, et la, la fête est immense. C'est une immense fête au village, alors que le sport de haut niveau oublie la fête au village. C'est un spectacle inouï, peut-être il faut le garder, mais il faut aussi s'en servir pour développer la fête au village. Ce sport de bas niveau permet d'exprimer une expression de soi et en même temps un élément d'intégration sociale. Et... Je crois qu'on pourrait parler à cette, à cette occasion de quelque chose, je sais dont vous vous souciez, à savoir euh, le sport chez les handicapés, par exemple. Hein. Alors, quand euh... j'ai l'occasion de, de rencontrer un, un sportif handicapé, je suis charmé par l'importance qu'il accorde au sport et le bonheur que lui apporte le sport. Il y a le, le handicap très souvent, c'est une blessure physique bien sûr, mentale souvent et sociale. Or, cette blessure physique est réparée par un match de basket en fauteuil. Euh, et nous, on dit, tiens, la performance est moyenne. On se trompe. Euh, la performance est énorme. Ils font une performance énorme. Et surtout, ils ont une réparation narcissique au bon sens du terme. Je ne suis pas si handicapé que vous le croyez. La preuve, c'est que je peux me déplacer. Je peux faire un sport comme vous. Euh, je peux courir. Je peux euh, vivre comme vous. Donc je ne suis pas tellement aliéné que vous l'avez cru, mais le handicap, je l'ai, mais je le surmonte en partie, je le métamorphose en partie, j'en fais quelque chose, je suis capable de faire un match de basket ou une course malgré mon handicap. Donc physiquement et mentalement, ils y accordent une importance énorme qui est tout à fait respectable parce que ça leur permet de continuer à reprendre une autre forme de vie. Là, on, on approche d'une notion que vous avez participé à diffuser, euh, un concept qui est celui de, de résilience. Alors, comment penser ici le, la résilience et pas le sport en général, mais, mais la, la résilience à l'occasion du sport et du handicap Et là, on a l'exemple de Philippe Croison, que vous connaissez, je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer, qui est un exemple à la fois de, de réussite sportive et de résilience réussie, entre guillemets. Alors, c'est un exemple de résilience parce que. Avant son accident, euh, c'était un homme. Il, dit, il raconte lui-même qu'avant euh, son accident, il était plus difficile à vivre qu'après son accident. Avant l'accident, et, 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 s'il s'était laissé faire, sa vie était finie. Il, il n'y avait que de la souffrance. Donc il n'a plus de membres, ni antérieurs, ni, antérieur, ni postérieurs. Oui. Voilà. Il a perdu ses quatre membres. Et il. Il a été très malheureux, évidemment. Il a déprimé, évidemment. Euh, C'est la réaction normale après euh, une tragédie pareille. Et à ce moment-là, il a décidé de ne pas se soumettre à une terrible blessure. Mais il y avait en lui un attachement confiant. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, il a dit, euh, cet attachement confiant, je l'ai eu grâce à ma mère et sa mère était dans la salle avec un sourire jusqu'aux oreilles c'est-à-dire que avant l'accident il avait confiance en lui l'accident a été une blessure énorme qui l'a fait déprimer qui l'a fait souffrir qui l'a fait déprimer et ayant confiance en lui il a cherché autour de lui ce qui pouvait lui permettre quand même de se remettre à vivre malgré l'accident avec l'accident et à ce moment-là il a trouvé un soutien une idée une idée folle il faut que je me mette à nager. Il n'avait jamais nagé avant. Il faut que je me mette à nager, que je m'entraîne pour faire un exploit. C'est une idée folle, mais il a fallu commencer par rêver. Il a fallu commencer par une idée folle et ensuite il a trouvé autour de lui le soutien affectif et l'institution qui lui a permis de tenter de réaliser son idée et il l'a réalisé. Et donc c'est un exemple de résilience. Et le, la conséquence qui lui échappe maintenant, c'est que sa victoire sur lui-même déclenche un processus et que beaucoup d'enfants qui ont la même tragédie ou une tragédie analogue ou comparable savent que si on cherche en soi et autour de soi un moyen de se remettre à vivre pas comme avant mais à vivre bien quand même dans d'autres circonstances, beaucoup d'enfants savent que maintenant avec une bagarre et un soutien on peut arriver à faire quelque chose. Donc il a déclenché un processus. Qui va être utile à beaucoup de malheureux. Et en plus, c'est toute la différence entre l'exhibition dans la baraque foraine des atrophies ou des handicaps et euh, un handicap qui devient euh, une sorte de d'enjeu avec soi-même. Enfin, et... Voilà. La définition de la résilience, c'est que on métamorphose le trauma. Le trauma, on l'a reçu, mais on ne s'y soumet pas. On le métamorphose, comme Croizan l'a fait, comme Philippe Croizan l'a fait on le métamorphose, on en fait une performance qui sert de modèle à d'autres blessés. donc c'est la définition de la résilience. donc d'une manière plus générale, c'est l'importance pour vous qui êtes euh, thérapeute, c'est quand même votre métier, euh, l'importance euh, du sport à cet égard dans cette façon de, à la fois, de s'éprouver, de se mettre à l'épreuve, euh, de, de projeter l'épreuve et de, et de l'offrir d'une certaine façon euh, en participation enfin, il, y a, il y a quelque chose ici d'une valeur symbolique très forte alors oui, alors, oui, bien sûr, il y a la valeur symbolique, mais c'est une transaction constante. Parce que les blessures physiques ne sont pas les mêmes pour tous l'état avant la blessure n'est pas la même pour tous et, et surtout le soutien après la blessure n'est pas la même pour tous. Mais euh, on peut agir sur ces trois niveaux on peut agir physiquement, on peut agir mentalement, affectivement, socialement et politiquement. c'est-à-dire que si on arrive à démontrer, et c'est facile à soutenir, que quand on s'occupe de ces hommes, on leur permet de reprendre une autre vie, humaine, avec dignité, avec euh, pépin, avec accident, avec la, comme tout le monde dans la vie, et avec fierté comme tout le monde dans la vie. on va leur permettre de reprendre une autre forme de vie. mais là, il faut une décision politique pour organiser les institutions qui permettront à eux de faire des efforts physiques, mentaux, relationnels, réels. Alors là, je pense qu'on a un raisonnement systémique, C'est plus une cause qui provoque un effet. Ce n'est pas un Philippe Groison qui est un surhomme, il est pas un surhomme, pas du tout même, il le sait bien, mais il est très souriant, il, est, il a repris du bonheur, un bonheur de vivre, il le paye de souffrances physiques, il s'entraîne très dur, il le paye de moments de découragement, comme tout le monde. Et il, il obtient une victoire, des moments de bonheur, des moments de grâce qu'il offre à d'autres blessés. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Le sport est un, est un objet de réflexion qui a toute sa dignité, ce qui n'allait pas de soi il y a encore quelques dizaines d'années. Et dans l'enseignement, enfin c'est un peu notre génération, la part du sport était quand même très marginal, être bon en gymnastique euh, n'était pas le signe tout de même d'une très grande réussite scolaire. Les choses ont changé, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez que la place qui est accordée à, à l'éducation physique et sportive, comme on dit aujourd'hui, dans l'enseignement, est-ce que cette place vous semble suffisante Est-ce que, est -ce que cette, cette répartition entre l'enseignement à la fois théorique et cet enseignement qui est lié au corps hein, et, et au sport, est-ce que ça vous semble assez bien conçu alors là, vous me donnez la responsabilité du ministre de, de l'Éducation. <laughs> non, mais vous, êtes, vous, avez, vous connaissez sans doute autour de vous des gens assez jeunes, des élèves, des étudiants. Est-ce que, est que vous, vous trouvez qu'en France, il y a un partage équilibré entre le soin accordé à, à notre esprit euh, qui agit sur le corps et du corps qui agit sur notre esprit, on en a parlé tout à l'heure Alors, on peut reprendre effectivement le, les découvertes des neurosciences ou le sport améliore l'outil cérébral, mais il faut en faire une relation pour faire quelque chose avec cet outil. Mais surtout, on retrouve aussi cette idée du sport en tant que marqueur culturel. Euh, aux États-Unis, quelqu'un qui fait une bonne performance de sport euh, est aidé pour entrer dans une université, même si l'université est très chère, euh, si c'est un bon sportif. Il va rentrer, on va l'aider, il touchera une bourse qui remboursera, euh, un alumni qui remboursera plus ou moins vite, mais il va être aidé. Parce que ça fait partie d'une idéologie de la réussite, qui est une idéologie américaine qu'on qu peut critiquer, mais ils ont cette idéologie. Or nous on l'a pas trop, hein, parce que au contraire, même si quelqu'un euh, réussit, le mot réussite chez nous, il est connoté de c'est pas bien de réussir si on réussit, euh, on réussit euh, euh, avec un prix humain ou en exploitant les autres, ce qui a été le cas de à l'origine de la société, c'était comme ça. Alors le mot réussite est un mot très poli, qui a plusieurs significations, un très grand nombre de significations, puisqu'on entend même j'ai réussi à échouer, hein, c'était en, en psychothérapie. C c'est une locution qu'on entend souvent, ça j'ai réussi à échouer. Mais euh, ça veut dire que c'est un marqueur culturel. Or, dans notre culture, je pense que le sport, l'art, je vais choquer beaucoup, de, probablement des gens qui sont enseignants, je vais les choquer en disant que je pense que cet épanouissement devrait se faire en dehors de l'école. <laughs> C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une institution, comme je l'ai vu en Colombie, comme je l'ai vu dans les pays sud-américains, où il y a... C'est une institution scolaire parascolaire, c'est-à-dire que euh, des gens rentrent dans l'école pour soit faire sortir les enfants et les emmener hors de l'école, faire des orchestres, comme je l'ai vu dans les favelas, euh, faire des orchestres. Dans les favelas, le sport et la musique sont les deux grands facteurs danti délinquance Dans les anciens gouvernements, quand les anciens gouvernements avaient un raisonnement une cause, un effet. Une cause, ils sont délinquants. Un effet, j'envoie la police. La fierté de ces gosses, les garçons surtout, c'était d'affronter la police. Tu as vu quand je lui ai tenu tête, c'était leur seule fierté. Depuis le dernier, les deux derniers gouvernements, ils ont changé de politique. Ils font rentrer en première ligne dans les favelas les danseurs, les guitaristes et les sportifs. Aucun enfant ne résiste à un guitariste ou un footballeur. Aucun. Et le résultat, c'est qu'ils ont pacifier c'est leur expression en quelques années ils ont pacifié énormément les favelas et maintenant ils ont les gosses rentrent à l'école à l'école dans les favelas parce qu'ils ont compris que là ils vont rencontrer le danseur le guitariste le sportif qui va les emmener hors de l'école pour faire des spectacles de danse des matchs de football plus ou moins réussi. J'ai vu en Colombie, ils jouent sur des terrains inclinés. Comme il y a des pentes partout, ils jouent, ils se rencontrent, ils font des performances, ils crient. Donc le sport, là, il a un facteur de réparation de sa dignité, de rencontre et de lieu de rencontre. On va à l'école pour apprendre et pour rencontrer un guitariste et un footballeur. Il y a deux grandes. Deux grandes valeur, entre guillemets, auxquelles on peut rapporter le sport, soit en tant qu'il est un sport de haut niveau, de compétition, c'est la recherche de la performance, ou alors le sport peut être simplement l'occasion de l'accomplissement de soi. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas d'abord que dans notre société, le dépassement de soi sous toutes ses formes est devenu la norme et l'accomplissement de soi est un peu laissé de, de côté Est-ce que, est -ce que cela n'est pas un facteur, n'est pas un élément qui qui participent à faire que nous sommes dans des sociétés finalement très peu apaisées. Comment peut-on être apaisé avec cette logique de la compétition, avec cette loi de la jungle déguisée en, en dépassement de soi? Oui, je ne suis pas sûr qu'on soit dans des sociétés apaisées justement à cause de l'expression dépassement, euh, opposée à, à l'expression accomplissement. Je pense que le dépassement de soi explique les substances qu'on prend pour se dépasser. Dépasser son corps, dépasser ses possibilités au-delà des limites. Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs pour les sportifs, qui sont punis quand ils sont pris, alors que dans l'internat en médecine, pratiquement tous les étudiants prenaient des amphétamines. Et leurs diplômes ont été validés. On ne les a pas fait pisser après les concours de médecine. C'est-à-dire que. les, les Maxiton. Dé... Maxi... C'était le chorhydrane. C'est un dérivé du Maxiton. C'est-à-dire que. Mais ils en vente libre. Et la plupart des étudiants, un très grand nombre d'étudiants en médecine, votre serviteur aussi, ben, euh, prenez euh, du chorydran en vente libre pour améliorer leur performance. Si le, la performance se fait en un match, si la sélection pour une grande école se fait en une matinée, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette aide chimique qu'on paye cher, qui fausse tout, qui est une triche, qui fausse tout, mais puisque, qui est une réponse adaptée à notre système culturel, pas seulement scolaire, culturel, sportif et scolaire. En revanche, si la sélection se fait, comme de plus en plus de pays le font, sur toute une vie, tous les jours au travail, tu devras montrer tes compétences. Dans chaque relation, tu devras montrer tes compétences. Dans chaque match de football, tu devras montrer tes compétences. Alors à ce moment-là, ce n'est pas sur un jour, ce n'est pas sur un match. C'est tout le plaisir d'une vie. Et là, la drogue n'existerait probablement beaucoup moins. Vous aimez rappeler que ce que montre l'anthropologie, d'une manière générale, c'est que les sociétés se constituent... Contre la violence, Freud l'a montré, jusqu'à René Girard, on pourrait montrer tous les intermédiaires. Euh, appliqué au, au sport, co comment Parce que le sport, c'est aussi un fait de société, c'est une société qui se constitue aussi, euh, à la fois dans les compétiteurs, mais également avec ceux qui sont autour. Comment, comment vous pensez ce rapport de la, de la violence et, et, et du sport Comme disait Papa Freud, euh, c'est dans le crime que se constitue la société. C'est-à-dire que et nos sociétés humaines se sont constituées dans une extrême violence et la violence est une valeur adaptative, on n'admirait que les hommes violents. Les femmes, les mères n'admiraient que les hommes violents et encore aujourd'hui, dans les pays en destruction, reconstruction, en guerre quoi, euh, les femmes admirent les hommes violents et méprisent un homme qui n'aurait pas le courage d'aller se battre. Donc la violence a été une fonction créatrice. Quand la société est constituée, la violence n'est que destructrice. Elle est destructrice du couple, destructrice du groupe social, du quartier et bien sûr destructrice de la nation, des pays. Donc ça veut dire que euh, la violence est une valeur adaptative si le contexte est violent, la violence est une valeur de destruction si le contexte est en paix. Or le, pro le propre du sport, c'est que si... On fait du sport euh, en une seule performance. Il y a la violence individuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de maîtriser ses pulsions, on est soumis à ses pulsions, et beaucoup d'entraîneurs encouragent les, les sportifs, euh, valorisent la violence. S'ils si dépasse au rugby, par exemple, très souvent, euh, on encourage la violence. Mais si la violence n'est pas maîtrisée, le violent est puni. Ce qui n'est pas toujours facile. Parce que beaucoup de sportifs, de rugbymen de haut niveau, euh, ayant appris à être violents, quand ils ont balancé leur sac sur la tête d'un spectateur ou d'un entraîneur, euh, ils ont perdu leur poste. Alors que le, le même entraîneur les avait encouragés à la violence. Donc ça, c est, c est, c est, c est, la violence est ambivalence. Alors, euh, en revanche, il y a une autre forme de violence qui est la violence des médias. C'est-à-dire que quand une foule est violente, c'est parce qu'elle érotise la violence. Ce n'est pas du tout la même fonction. Dans le premier cas, il y a une performance qui nous entraîne et on a perdu la con le contrôle de soi. Alors que dans la violence des médias, on va assister à un match de football pour être violent. C'est-à-dire qu'on attend l'occasion de déclencher le plaisir de la violence. Et il y a une euphorie, il y a un érotisme de la violence qui fait que ces gens-là désirent le stress, la peur, si n'ont pas été blessés, va les euphoriser pendant une semaine ou deux. Des vrais, des états d'euphorie incroyables après des actes de violence d'une stupidité et d'une violence incroyable. Probablement que c'est une réaction adaptative au sens darwinien du terme à une société de la routine. Euh, beaucoup d'entre nous se plaisent dans la routine parce que c'est là qu'on qu'on qu fait des vraies performances euh, durables. Ce n'est pas la performance, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas la performance en une heure ou un jour, c'est la performance durable, à répéter. Et la routine encourage ces performances durables. Si on travaille tous les jours régulièrement, on finit par être bon. Or, euh, on ne nous demande pas d'être bon en une matinée, c'est tous les jours. Or, la routine, ces gens-là, ces hommes-là, souvent meurent dans la routine. Ils ont besoin, ce sont des peines à jouir, qui ont besoin de un haut niveau de stimulation pour éprouver un peu un sentiment d'existence, alors que certains dans la routine, ils éprouvent le plaisir d'écrire, le plaisir de boire un café, le plaisir de, ça leur suffit comme plaisir, alors que eux ils ont besoin d'un haut niveau de stimulation, donc ils érotisent la violence, ils ont peur, ils ont des bagarres, d'une violence et d'une stupidité incroyable, qui va les euphoriser pendant 2-3 semaines s'ils si ne sont pas blessés, morts ou mutilés. Tout à l'heure, vous parliez de la, de la tragédie grecque, de l'identification sur la figure du héros. Et il y avait en retour l'effet de, de catharsis, de, de, de purgation, de purification. Alors il y, a, il y a ça dans le sport aussi, il y a un effet de, de catharsis. Mais cette catharsis, elle peut avoir des, des ratés. Et quels ratés Il y a l'exemple du stade du Hesel, de, ce de cette catastrophe où plusieurs dizaines de, de personnes sont mortes étouffées. Il y a d'ailleurs une image ici qui est assez dure. On retrouve un peu l'ambivalence dont vous parlez. Alors personnellement, je suis pas très à l'aise avec ce mot de catharsis, euh, qui, a, qui, qui a une métaphore de la purge. On se sent mieux après la purge. Alors oui, on peut éventuellement se servir de ça comme d'une métaphore. Non, je pense que euh, on, ne, on ne sait pas qui on est si on ne se met pas à l'épreuve et qu'il euh, y a différentes manières, ou bien on subit l'épreuve, ce qui arrive souvent, ou bien on se met à l'épreuve, et qu'à ce moment-là, on s'identifie. Et, et même une tragédie nous identifie. Euh, je suis celui qui a surmonté telle déchirure, ou qui ne l'a pas surmontée, voilà pourquoi je suis malheureux. On, on, a, on sait qui on est parce qu'on <coughs> s'est mis à l'épreuve, ou que la vie nous a mis à l'épreuve. Et je crois que toutes les cultures ont inventé des épreuves. Euh, les épreuves d'accueil, les épreuves d'initiation, le sport de village. Qui était, on se donne rendez-vous pour se mettre à l'épreuve. Euh, avec qui vous voulez-vous lutter je vais, vous montrer, je, vais, je vais me prouver que je suis courageux. J'ai peur. Je vais rentrer sur le ring en souriant pour faire croire que j'ai pas peur. Et après, je serai fier de moi. J'ai surmonté ma peur. Voilà. Les, tous ces mécanismes d'initiation, notre culture probablement les a dévalués. Alors nous, on a des initiations bien plus tragiques. C'est le baccalauréat. Alors qu'avant, on avait des scénarios d'initiation qui duraient un jour ou deux. Maintenant, le bac, ça dure deux ans. Donc ça, pour développer l'angoisse, c'est parfait. Alors qu'au contraire, l'initiation, c'était une épreuve qui euphorisait et qui ensuite permettait de prendre sa place dans la culture. Alors que le bac, c est, c est, ça, on stresse pendant deux ou trois ans et on prend pas sa place dans la culture. Mais lorsque des institutions ont pour fonction de canaliser les, les affects et que cette canalisation euh, échoue, ça, 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 produit, euh, ça peut produire l'effet inverse et de manière extrêmement euh, spectaculaire et déchaînée. Euh, sans Alors, ces, ces stades qui sont des, des lieux d'affrontement et d'explosion de violence, euh, comme s'il si y avait là, non pas une, une purgation, vous n'aimez pas le terme, mais comme si, au contraire, une amplification et puis la violence devient presque addictive. Alors oui, vous avez employé le mot addict, absolument. Il y a des, des, des violences qui provoquent un addict à la violence, le, la peur suivie d'euphorie. Mais beaucoup de gens pratiquent des hold-up pour être, et disent qu'ils sont étonnés, après le hold-up, de voir à quel point ils sont euphorisés nuit et jour. On a besoin de stimulation intense. Et les stades ont était le lieu de la violence chez les Grecs déjà, les stades étaient le lieu de la violence, il y avait des courses avec des, des chars qui se renversaient, des... c'était le, le spectacle de la violence, c'était déjà mis en scène, parce que ça a une fonction, et qu'une culture qui veut tout sécuriser finit par engourdir les gens, et les jeunes qui ont besoin de savoir qui ils sont vont s'inventer des rituels. Bien plus cruels et bien plus stupides que ceux que la culture pourrait leur proposer. Parce que quand il y a un, rit un rituel acculturé, on invite le jeune Tu as été plus fort que la mort, tu as triomphé du lion, tu as triomphé de cette épreuve, tu es un homme. Viens maintenant, va t'écouter, parle, ta parole sera celle d'un jeune adulte. C'est pas ça du tout que fait notre culture. Notre culture fait faut prendre aucun risque, il faut tout sécuriser. Le résultat, c'est on engourdit nos jeunes certains aiment ça on engourdit nos jeunes, et ceux qui aiment la vie se mettent, s'inventent des rituels absurdes, comme la drogue, comme la bagarre après un match de football, et les stades ont toujours, depuis les Grecs, les stades ont toujours été des lieux... De violence ou de canalisation de la violence, comme on l'a vu tout à l'heure à propos de l'imagerie nazie, où alors là on avait une, une canalisation verrouillée. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, la hiérarchie, les oriflammes, tout était verrouillé, il n'y avait qu'un seul discours possible, celui du chef. Et les stades ont toujours été des lieux d'expression de la violence. Mais n'y a-t-il d'éducation que. En termes de, de comparaison, est-ce que à cet égard, le sport ne risque pas d'être un facteur d'inégalité, de, d'entretenir l'inégalité Alors, si on fait un sport de, si on fait de la compétition à la valeur suprême, il est, il est bien évident que on fabrique des héros, c'est la fabrique des héros. On fabrique des héros biologiques, d'une qualité physique stupéfiante, qu'ils payent mais qui nous représente, comme on le disait tout à l'heure, et bien sûr c'est la fabrique de l'inégalité, mais nos écoles aussi sont la fabrique de l'inégalité, les grandes écoles, alors ça c'est la fabrique des grandes inégalités, et les petites écoles c'est la fabrique aussi des inégalités, c'est la reproduction, c'est-à-dire qu'on peut prédire les résultats scolaires d'un enfant connaissant le portefeuille de ses parents. Donc, on a, on a aussi la, la reproduction des inégalités. Alors, on a un discours lénifiant, on va lutter contre les inégalités. Mais quand j'ai fait mes études de médecine, il y avait à peu près 11 ou 12 d'enfants de pauvres parmi les étudiants en médecine. Aujourd'hui, on est à 1 malgré des bourses, malgré des encouragements, malgré des discours tout à fait gentils, mais très, très coupés, fortement coupés de la réalité. Parce qu'il y a quand même dans le, dans le sport, concernant donc ces, ces égalités, il y a le problème des, des catégories. On catégorise les gens, euh, non seulement des catégories euh, sexuelles, il y a des catégories de poids, il y a des catégories de taille. Est-ce que là, on n'institue pas de nouvelles discriminations, un nouveau système d'inégalités sous prétexte de compenser les inégalités Est-ce qu'il n'y a pas les effets pervers, finalement, de, de ces catégories Bon, là, il y a évidemment un exemple entre entre quelqu'un géant et, et quelqu'un de petit, mais d'une manière générale Alors, bon, je pense que l'inégalité fait partie du processus du vivant. On le retrouve chez les animaux. Et la, la transmission à travers les générations de l'inégalité se retrouve aussi chez les animaux. Même chez les goélands, même chez les singes. <laughs> Quand euh, une femelle est dominante... <laughs> parce qu'elle a été sécurisée, parce qu'elle a remporté quelques victoires de compétition, euh, parce qu'elle a réussi à intimider des, des mâles, parce que les femelles, quand elles attaquent les mâles dominants, elles se mettent par trois, quatre, 5, j'ai vu cinq, six macaques qui attaquaient un dominant, et le dominant n'a pas été dominant longtemps. Donc ça fait partie du vivant, de la, du conflit du vivant, Donc, et ça se transmet à travers les générations, même chez les singes, même chez les mammifères. C'est-à-dire que quand les petits ont une mère dominante, ils ont une forte probabilité d'être dominants parce qu'ils sont sécurisés. Ils sont à la fois sécurisés et dynamisés. Alors on reprend le même raisonnement. Pour nos enfants, si maman, papa sont sécurisants et dynamisants parce qu'ils n'ont pas de soucis sociaux, parce qu'ils euh, habitent dans un quartier où on dort bien ou pas trop loin de l'école ou de l'université, les gosses feront des réussites intellectuelles euh, bien supérieures à ceux qui doivent faire deux heures de, de voiture tous les matins ou de métro tous les matins et ceux qui vont se coucher. À, Minuit, une heure, parce que la télévision va marcher jusqu'à une heure du matin. Donc voilà, l'inégalité fait partie du vivant, mais on peut combattre cette inégalité pour laquelle on est ambivalent, hein, parce qu'on milite contre l'égalité, mais on admire les héros, on admire tous ceux qui font des performances intellectuelles ou physiques. Hein. Donc on les admire, même si on milite contre l'inégalité. Alors je pense qu'il y a un moyen de militer contre l'inégalité, c'est de faire différentes des passerelles. On peut être très bien médaille d'or euh, d'un sport à l'âge de 18 ans, et un autre sera médaille d'or d'une grande école à l'âge de 25 ans. À condition, comme le font les Américains, comme le faisaient les Russes aussi, les Russes communistes avant l'effondrement du mur, à condition qu'il y ait des possibilités de rattrapage tout au long de notre vie, parce qu'on peut très bien rattraper, faire une mauvaise performance. À l'âge de la sélection vers 18-20 ans, et le même peut faire une excellente performance 25-30 ans ou 40-50 ou 50 ans. Dans l'université du troisième qu'on appelait avant l'université du troisième âge, euh, j'ai des étudiants euh, qui sont des gens âgés, qui ont pris leur retraite, ils ont une mémoire beaucoup moins vive que les jeunes. Ils ont des résultats scolaires bien meilleurs que les jeunes parce qu'ils sont mieux organisés, parce qu'ils font attention, ils alternent l'effort et le réconfort, et leurs résultats scolaires sont meilleurs, alors que leur mémoire est bien moins vive. Mais cette histoire de, de catégorie, c'est aussi extrêmement labile parce qu'on essaie de compenser un handicap. Oscar Pistorius, par exemple, en, le, en lui permettant de courir avec les, les, les handicapés, mais en même temps, quand ce handicap compensé par des prothèses lui fait peut-être courir aussi vite ou peut-être plus vite que les valides, on le lui interdit, ça, ça devient quelque chose d'ambigu. Il y a aussi le cas de cette, de cette euh, coureuse, Séménia qui, euh, femme, homme, femme, ont la difficulté de l'inscrire dans une catégorie sexuelle. Au bout du compte, je crois qu'on a convenu euh, que c'était une femme. Voilà. Bon. En tout cas, ces catégories, ce sont des catégories qui sont euh, fragiles. Euh, voilà. Et qui sont difficiles à, à établir, semble-t-il. Parce que quand on commence à penser, on a besoin de catégories binaires parce que c'est la pensée facile, c'est la pensée paresseuse, tout ce qui n'est pas grand et petit, tout ce qui n'est pas gros et maigre, tout ce qui n'est pas homme et femme. Et en vieillissant, on prend un peu d'expérience et on découvre qu'au poète, plus ou moins grand, plus ou moins gros, plus ou moins homme et plus ou moins femme. Or, il y a des tas de préparations naturelles dont on parlait tout à l'heure, naturelles entre guillemets, comme on en a parlé tout à l'heure, qui montrent que, par exemple, certaines femelles, c'est volontairement que je dis femelles, au-dessus des, de, au des reins, il y a les glandes surrénales qui sécrètent chez les femmes de la testostérone. Et certaines arrivent au monde avec des sécrétants d'une maladie. Elles sécrètent plus de testostérone que le taux moyen d'une femelle. Et elles ont donc des deltoïdes énormes, une grosse mâchoire, un comportement qui n'est pas tout à fait le même, et elles font des performances sportives. Excellente. Chromosomiquement, c'est des femmes. Sexuellement, génitalement, c'est des femmes. Hormonalement, c'est des hommes. Qu'est-ce qu'on fait Alors là, les catégories sont nécessaires et abusives. Les catégories sont nécessaires parce qu'elles nous aident à penser au moyen d'un artifice binaire, ce qui n'est pas homme et femme, tranquille. Et puis dans la réalité, ben on est plus ou moins homme, plus ou moins femme. Si on voulait vraiment être juste, il n'y aurait qu'une seule catégorie, la performance. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas beaucoup de femmes dans, aux, Jeux, aux Jeux olympiques. Donc on est obligé de faire des catégories, sachant que ces catégories sont abusives. Il y a une morale sportive qu'on met assez facilement en scène et dont on vante les mérites. Est-ce que cette morale sportive, elle a pour vous... Euh, une vocation euh, à être une sorte de morale universelle. Est-ce que le sport euh, incarnerait, concentrerait un certain nombre de valeurs euh, qui permettraient de les poser comme des valeurs partageables par tous. Hein, prenons l'universel au sens propre du terme. Vous n'avez pas une autre question Parce que <laughs> non. Que... non la question ici, c'est la question de savoir. Hein, Aujourd'hui, on a un peu tendance, vous le savez, euh, à brandir le sport hein, comme étant une sorte de référent qui permettrait contre tous les problèmes que rencontrent nos sociétés dans lesquels on peut assez facilement admettre que les que les gens s'entretuent, se, combattent, ne soient pas d'accord et le sport aurait cette fonction presque miraculeuse à la fois consensuelle euh, de rassembler les hommes une sorte de fraternité non je, 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 cette question elle se pose donc, vous l'avez posé, et, et je sais mal y répondre, parce que même avec le, le concept de morale, je suis mal à l'aise, euh, étant donné que j'ai été psychothérapeute pendant euh, presque 40 ans, et que je soutiens que les grands pervers sont tous des moralisateurs. C'était Sade, l'introduction, sad, Justine, c'était un cours de morale. Quand j'étais gamin, j'avais voulu. Euh, les Journées de Sodome. Les, les 120 les... Journées de Sodome. Pardon Les 120 Journées. Les 120 Journées. J'avais volé croyant que c'était... espérant que ce serait un livre érotique, et c'est un livre d'économie politique. Avec, avec des corps. Avec... <laughs> je me suis ennuyé. Euh, Mazoch a fini comme reçu à Paris, à la Sorbonne, et dans les grandes revues, comme professeur de morale. Et j'ai eu à accompagner ou à expertiser des, des grands pervers sexuels qui tous étaient des moralisateurs, euh, donc euh, des moralisateurs. Voilà, voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que euh, je suis mal à l'aise avec ce concept parce que euh, je préfère le concept d'empathie. C'est-à-dire que dans l'empathie, je me représente le monde des autres. Donc, sans loi, je ne peux pas tout me permettre. Si je me représente votre monde, euh, je ne peux pas. Quelque chose, même s'il n'y a pas de loi humaine, il n'y a de loi qu'humaine d'ailleurs, si même s'il n'y a pas de loi, euh, je peux pas, quelque chose m'empêche, je ne peux pas tout me permettre puisque vous existez et que je me représente ce que je vais faire si je veux vous détruire ou vous humilier, je ne peux, peux pas le faire. Ça, quelque chose se freine en moi. Alors est-ce que c'est ce qui se passe dans le sport Non. Dans le sport, au contraire, c'est l'arbitre. Il faut un arbitre pour freiner. Il faut une sanction pour freiner. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut un règlement. C'est le règlement qui freine, ce n'est pas le sujet. Le sujet, lui, va le plus loin qu'il peut. Et c'est le règlement, une force, une loi, une force extérieure à lui qui le freine. Alors que dans l'empathie, c'est moi qui me freine. Et je pense que l'empathie est plus morale que le sport. Non, non, mais la question. On pouvait démoraliser la question de la morale. La morale, ne se réduit pas au moralisme. Je parlais de la morale au sens propre du terme, d'abord. Hein. C'est ce qui concerne les mœurs, la morale. Hein. Les, les manières de vivre, les manières d'être. Mmh. C'est pas simplement la morale au sens des commandements et des impératifs. C'est aussi bah, comment on vivre alors ensemble. Alors, c'est les mœurs, voilà. c'est les rituels. Donc, c'est plus proche de l'empathie que de la loi. Que vous inspire la devise olympique Sitius, Altius, Fortus Fortunus pas fortunus, fortius <laughs> c'est-à-dire euh, plus loin, plus vite, plus fort. Et fortunus. <laughs> plus de monnaie. Plus, ce sera la seule. So et, et, et aussi de chance, si la fortune a quelque oh, chose à dire. Ah va. ben voilà, ben on va. On, oui, ça peut être une chance. Oui, c'est une chance. Le sport est, est une chance à tous les sens du terme. C'est une chance pour l'individu, le plaisir d'utiliser son corps, de se sentir bien, le plaisir de faire des performances, le plaisir de rencontrer, le plaisir d'entrer aussi en compétition. C'est pour ça que j'aime beaucoup le sport de petit niveau, parce que lui, il socialise, lui, il moralise. Ça n'empêche pas la compétition. Mais après la compétition, même si vous avez perdu on ira au restaurant ensemble. C'est-à-dire qu'on on parlera, on établira une relation humaine, on fera une épopée avec notre combat, notre course à pied, on va en faire une, en faire une production humaine. Alors ça, si c'est ça la morale du sport, d'accord, je vote. Mais c'est pas toujours ça, je pense que ce pas le sport qui est source de morale ou d'anneau olympique, c'est la signification qu'on lui donne. Si on lui donne une signification d'apprendre à être ensemble et à mieux être, vive le sport. Si on apprend euh, au sport, si on donne au sport la signification, je suis plus fort que vous, je vous domine parce que mon pays a une idéologie supérieure à la vôtre, malheur au sport.